Good morning, Aleiden. L'étude sera aujourd'hui les Lunishmat Rivka Batsara, Rachel Batsara, Chaim Elio Ben Shalom Luski, Zara Bat Mazal Tov, Shish Portish, Guy Yaakov Ben Blanche Hajaj. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Baba Batra, Perek Bet Mishnah Yudalef. Marchikin et Aylan, Minabor, Esrim Vechamesh Ama. Ovecharov, Ovechikma, Chamishim Ama. Ben Milmala, Ben Minatsad. Imabor Kadam, Kotzetz Venotan Damim. Ilan Kadam Loyakots. Safek Zekadam Vesafek Zekadam Loyakots. Rabbi Yossi Omer Afalpi Shabor Kodem Lailan Loyakots. Sheze Chofer Betor Shelo Veze Notea Betor Shelo. On continue les Achakot Nezikin, le devoir d'éloigner certaines utilisations de peur que je vais nuire à mon voisin. Avec un nouveau cas de figure, le cas de l'arbre et du puits. Soit, marchikin et aylan minabor esrim vechamesh amah. Il faut éloigner l'arbre du puits 25 amah. C'est-à-dire, mon voisin a un puits, et moi maintenant je décide de planter un arbre. La Mishnah vient et me dit, le premier avis de la Mishnah me dit, tu éloignes ton arbre de 25 amah. Tu ne le mets pas ni à la limite, ni même à 4 amotes ou 8 amotes ou de différentes mesures qu'on avait vues, mais tu dois l'écarter de 25 amas, 12 mètres et demi. Pour quelle raison? Parce que l'arbre sous terre envoie ses racines, il ne s'étale pas que à la verticale, mais même aussi un petit peu à l'horizontale, et il risque de partir casser les murs du puits et faire perdre l'eau, bien sûr. Donc, on a le devoir de faire entrer l'arbre 25 amas. De manière générale, l'histoire de 25 amas, quand même, une petite précision, c'est bon pour la culture générale du chasse. Les racines de l'arbre, elles s'étalent jusqu'à 25 amas, mais elles puisent leur force jusqu'à 16 amas à la ronde. Hein, on parle que à la ronde. Elles s'étalent jusqu'à 25 amas à la ronde, donc 12 mètres et demi à la ronde, mais elles puisent leur force jusqu'à 16 amas, 8 mètres à la ronde uniquement. Il y a plein de conséquences de cette précision-là. Ça touche à plein de domaines. Ça peut toucher aux lois de Kilaïm, des lois de Bikurim, des lois de Kochim. Des notions très... dans le chasse, on voit 8 amas, c'est la, 16 amas, c'est ce que l'arbre, ça touche même le Khojvit, c'est en tout cas ce que l'arbre puise comme force jusqu'à 16, mais par contre les racines, il les envoie jusqu'à 25. Un cas particulier maintenant, au Vecharu Vashikma, Chamishim Ama, le caroubier et le figuier, il doit les écarter de 50 amas. On avait déjà vu ces mêmes mesures dans la Mishnah d'en haut, sauf qu'en haut, ouais, Mishnah Tet, je suppose, ou Zayin plutôt, où là-bas, on parlait du feuillage majestueux, vaste, dense, de ces bien étalé de ces arbres, du caroubier et du figuier. Et puis maintenant, on parle même que leurs racines aussi s'étalent de la même manière. Autant que ces arbres s'étalent beaucoup en haut, ils s'étalent aussi beaucoup en dessous, et sous la terre. Et donc, de ce fait, il faut les écarter 50 amas, parce que sinon, ils vont partir casser les parois du bord, du puits. Précision maintenant, ben milemala, ben minatsad, que l'un soit au-dessus de l'autre ou que les deux soient au même niveau. C'est-à-dire, il y a deux situations. De manière générale, dans une plaine, dans un endroit classique, toutes les maisons sont plus ou moins au même niveau, donc c'est côte à côte, l'un à côté de l'autre. Donc, on t'a demandé d'écarter de 25 amas. Mais aussi, même s'il y a un dénivelé entre vous, c'est fréquent dans les régions montagneuses, à Jérusalem, on se retrouve un voisin qui a un mur de 15 mètres qui le sépare de l'autre et son voisin il est 15 mètres au-dessus. On a construit sur la montagne, de ce fait il y en a un qui était plus haut que celui du bas. En tout cas, si celui du bas a un puits et l'autre a son arbre en haut, ou inversement, le puits en haut et l'arbre en bas, dans les deux cas de figure, il faudra malgré tout écarter l'arbre de 25 amas de la limite. 25 toujours, on reste toujours avec cette même mesure. Pour quelle raison? Alors dans le cas où c'est l'arbre qui est au-dessus, parce qu'on va craindre que les racines vont partir, vont parcourir toute cette distance, tout ce dénivelé, et ensuite partir sous terre, tout en dessous, pour partir casser les murs de les parois du puits de l'autre. Et inversement, je vous dis ce qui est écrit, j'ai un petit problème à le comprendre, j'ai du mal à imaginer de quoi on parle exactement, mais en tout cas, si le voisin du dessus a son puits, et celui du dessous a son arbre, alors malgré tout, il doit malgré tout l'écarter. Pour quelle raison? Alors peut-être que je comprends, dans Tosfot Yom Tov, c'est un peu flou, mais en tout cas, celui du dessous, l'arbre qui sera en dessous, puise des forces de toute la terre qui est à côté de lui, même s'il y a ce dénivelé, et il va affaiblir les parois du mur malgré tout. J'ai du mal à comprendre comment
Mais en tout cas, c'est ce qu'il y a écrit, d'accord ? On continue maintenant avec la situation a posteriori, lorsque l'on se retrouve avec les deux qui sont déjà plantés. Et là, la règle, elle va être un petit peu originale. Imabor kadam. Si on se retrouve maintenant donc avec les deux qui ont été plantés, la Mishnah a manqué de préciser la transition, mais en tout cas, concrètement, il y avait un puits et il y a un arbre planté à côté de lui. Imabor kadam, si le puits était le premier, donc l'arbre a été planté de manière interdite. Malgré tout, la Mishnah nous enseigne quelque chose de très particulier. Kotset venoten damim. Le voisin aura le devoir de déraciner son arbre, mais le propriétaire du puits aura le devoir de l'indemniser et de lui donner le prix de l'arbre. C'est assez spécial, on l'expliquera dans quelques secondes. On continue maintenant avec le cas inverse. Veim ilan kadam. Par contre, si c'était l'arbre qui était là le premier, loyakot, il n'aura même pas besoin de déraciner son arbre. Safek zekadam. Safek zekadam. Si on ne sait pas qui était là avant, on a une grande dispute. En fait, il y avait les grands-parents qui étaient les deux des gens pas tellement cachers. Par exemple, c'était et puis finalement, les deux petits-fils qui ont hérité des maisons de chacun ont envie maintenant de faire tchouva et de faire ce qu'il faut faire. Ils vont voir le rab, ils vont leur dire, écoute, Kvod Arav, qu'est-ce qu'on fait? Qui doit, faut-il couper l'arbre ou pas? Le rab va leur dire, si vous ne savez pas qui était là le premier, ça fait krzek adam, ça fait krzek adam. Peut-être que c'est lui qui était là le premier, peut-être que c'était lui qui était le premier. Non, écoute, dans le doute, on s'abstient. Chacun, il reste mourzak. On ne sait pas qui détient l'arbre de droit ou non. De ce fait, celui qui a l'arbre, il reste avec son arbre, et celui qui est l'autre, ben, il ne pourra même pas lui demander de le dédommager, de lui payer son arbre, il ne pourra pas lui demander de retirer son arbre. D'accord ? Et si déjà... Non, on s'arrête là, et on fait d'abord un petit zoom sur ce qu'on vient de lire. La notion, elle est très simple. Il y a quand même quelque chose de manière générale. Lorsqu'on n'a pas le droit de faire quelque chose, a posteriori, si je le fais, eh ben, il faut me tomber dessus, parce que je n'ai pas le droit de le faire. Ça, c'est pour la plupart des Nézikim qu'on a pu voir, quel que soit celui, je sais pas moi, les histoires avec de celui qui a construit qui a fait un étable à côté de la boulangerie du voisin. Ça va faire des odeurs dans le vin du voisin, c'est désagréable. Ben, s'il a ouvert l'étable de manière interdite, on va lui dire, tu fermes ta boutique, tu vas t'installer ailleurs. Et là, on découvre dans notre Mishnah quelque chose de très particulier. S'il y avait le puits qui était là le premier, et l'arbre qui a été planté ensuite, et ben, malgré tout, la Mishnah nous dit, tu sais, tu vas couper l'arbre. Mais on va quand même te donner un petit peu d'argent. On va t'indemniser, on va te donner le prix de l'arbre. Et la question essentielle est, pourquoi ? De mapitom, que ce soit comme ça, comment concevoir une chose pareille ? T'es en tort, tu dégages. Et la réponse, elle est, Barthenoa va nous le rapporter, parce qu'en réalité, planter un arbre, il y a une singularité, c'est qu'on ne cause pas de dommages tout de suite. Jusqu'à qu'il y ait des racines qui vont atteindre les 25 amas, et des années qui vont s'écouler. Et finalement, il s'avère qu'au moment où il a planté l'arbre, c'est vrai qu'il n'avait pas le droit de planter l'arbre, certes, mais c'était pas un gangster quand il a planté l'arbre, c'était pas un hors-la-loi, c'était pas quelqu'un de pas bien, c'est quelqu'un qui n'a pas fait le petit plus qu'on lui avait demandé de faire. Vous comprenez ? Donc dans la mesure où on a planté l'arbre de manière pas tellement interdite, a priori, il fallait s'écarter. A posteriori, on va dire, tu sais quoi, on va quand même te demander de retirer l'arbre. Parce que finalement, l'autre, il était là le premier. Il n'y a pas de raison qu'après, même si ça, prend 20 ans, ça va prendre 20 ans jusqu'à que les racines arrivent. Finalement, t'es un petit peu en tort, t'avais pas le droit, tu devais prévoir le coup. Mais malgré tout, on va t'indemniser, étant donné que t'étais pas un grand pocher, t'étais pas un fautif, un fauteur, au moment où tu as planté ton arbre. C'est la raison pourquoi on lui dit, Kotset, c'est Benoten Damim. D'accord ? Par contre, lorsque le puits était là le premier, alors là, on lui dira, l'eau, il n'y a cause, il n'y a aucune nécessité de le déraciner. L'autre, il avait qu'à écarter son arbre, finalement. Il avait qu'à écarter son puits. Une autre petite remarque, quand même, avant d'arriver dans le vif de la Mishnah, la vie de Rabbi Yossi, qu'on a déjà évoqué dans la Mishnah précédente. En tout cas, la Mishnah maintenant nous dit, ça fait Zekadam, ça fait Zekadam. Lorsqu'on a un doute, si vous vous rappelez dans la Mishnah, avec l'arbre planté à proximité de la ville, il y avait des règles différentes. On ne va pas tout rapporter la Mishnah, étant donné qu'on va devoir s'attarder de nouveau sur Rabbi Yossi. Mais en tout cas, retenez juste la notion. Dans le doute, lorsqu'on a un doute, Zeklal Gadol Vedin, Amotim Chavero, Allah Avaraya. C'est une phrase que tout le monde maintenant doit connaître par cœur. Chaque fois qu'on a un doute dans les lois de Mamonot, Amotim Chavero, Allah Avaraya. Celui qui va faire sortir de son ami, à lui d'apporter ses preuves. De ce fait, on ne sait pas, est-ce que l'arbre, faut-il l'abattre ou non? On ne sait pas qui le détient. Ben jusqu'à preuve du contraire, l'arbre, il est planté. Donc on laisse l'arbre sur pied, planté là où il est. Jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas ce qu'il faut le déraciner. De ce fait, on ne devra pas le couper.
à la différence du cas, entre parenthèses, du cas de l'arbre planté à proximité de la ville, que de toute façon, il fallait abattre l'arbre, même lorsque l'arbre était là le premier. Donc, premièrement, on abat l'arbre, il n'a pas lieu d'exister. Après, on réfléchira sur l'argent, et donc on dira que les habitants de la ville étaient ceux qui détenaient détiennent leur argent jusqu'à preuve du contraire, ils n'auront pas besoin de payer. C'était l'histoire avec la Mishnah Zayin, d'accord ? Enfin, on arrive à la fin de la Mishnah, avec le Rabbi aussi, et alors là, le gros retournement sur tout le Pérek. Tout le Pérek prend une autre allure à cause de cette phrase-là. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi dit, « Afal pi she'abor kodem la'ilan » Bien que le puits était là avant l'arbre, lo yakots, le propriétaire de l'arbre n'aura pas besoin d'abattre son arbre. Pourquoi ? Celui-ci est en droit de creuser chez lui, certes, mais et l'autre il a aussi le droit de planter chez lui. Rabbi aussi vient et nous enseigne la grande règle qu'on a déjà évoquée dans la mission précédente. Al hanizak le'arhik et atzmo. Il y a ici une machloket, une discussion fondamentale. Est-ce qu'on dit al hamazik le'arhik et atzmo ou est-ce qu'on dit al hanizak le'arhik et atzmo? Est-ce que c'est à celui qui cause le dommage qu'incombe le devoir de s'écarter pour ne pas causer un dommage à l'autre, ou est-ce qu'au contraire c'est à celui qui subit le dommage de s'écarter pour ne pas être dérangé par l'autre? Finalement, moi j'utilise, selon Rabbi aussi, de manière grossière, moi, j'utilise, je suis dans ma propriété, je ne fais rien chez toi. T'es dérangé par moi, ben mon ami, qu'est-ce que je te passe? T'aimes pas ma tête? Ben écarte-toi, je vais pas moi mettre un masque sur moi, malgré mon gros bouton que j'ai aujourd'hui. D'accord? T'es pas content? Ben tant pis pour toi, pars. Moi je te cause pas de dommage. C'est la notion de Rabbi aussi pour toutes les lois de Achakot Nezikin. Ça fait un chamboulement, pas tellement là à l'Acha, mais dans l'explication de toutes les Mishnayot. On rappelle une notion fondamentale, on a conclu avec cette Mishnah, donc selon Rabbi aussi, même si l'autre il a son puits, j'ai le droit de planter mon arbre. Et dans la Mishnah précédente, à cause de ça, on apprenait l'histoire avec les Kreishin et Betsalim, les poireaux et les oignons, moi je plante chez moi, tu plantes chez toi, si ça te nuit, ben t'as qu'à partir, t'as le droit de partir. Mais ne me demande pas à moi de reculer, même lorsque j'arrive en deuxième position, parce que je suis finalement chez moi. À une exception essentielle, et c'est en cela que malgré tout tout le Pérec ne va pas se métamorphoser, c'est que tout Nézek, tout dommage, que lorsque je commence à l'utiliser, dès les premiers instants, je commence déjà à nuire aux voisins, de mes mains sortent, si on voudrait imager ça, comme la Gemara le dit, ses propres flèches, de mes mains jaillissent des flèches qui vont et qui plantent le voisin. Alors là, on ne dira pas que non, j'utilise chez moi. Si tu envoies des flèches chez le voisin, t'es en train tu ne commences pas à t'excuser en disant je fais chez moi, tu fais pas chez toi, tu fais chez le voisin. Si je prends un bâton et je le balance chez le voisin, vous imaginez bien que je suis pas en train de dire ah mais je balance le bâton chez moi, pas du tout. Ton bâton il va jusqu'à chez le voisin, il lui met des coups. Si je prends du sable et je le jette chez le voisin, je peux pas dire ah mais je fais que de jeter du sable chez moi. Non, c'est pas vrai. Si le sable tu le lances, c'est l'autre. Kegoufo dans toute la Torah d'ailleurs, on peut même le dire comme ça. Ma force est considérée comme si c'était moi qui étais en train d'agir chez le voisin. J'agis directement chez le voisin. Et de ce fait, Rabbi aussi pense qu'il y a des cas où je n'ai pas le droit d'utiliser chez moi, de faire certaines utilisations. C'est tous les cas où, depuis les premiers instants, je commence déjà à nuire chez l'autre. En l'occurrence, par exemple, si mon voisin il a son puits planté, son puits qui est à la limite entre lui et moi. D'accord ? La paroi de son mur, elle est vraiment à la limite entre lui et moi. Et moi, je me dis, je vais venir creuser chez moi. Je commence à creuser, mais au moment où je creuse, je commence en ce moment à faire trembler la terre de chez lui. Il s'avère que dès maintenant, je suis déjà en train de fissurer les parois de son puits. De ce fait, je n'ai pas le droit de creuser tant que je ne vais pas entrer dans ma propriété. D'accord ? Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, ce qu'on appelle guéridil, il est en train d'agir chez lui. Mais par contre, c'est une des choses comme planter un arbre. On plante un arbre, on plante une graine, on peut même aussi planter une petite branche par terre. Pour le moment, il n'y a rien de mal. Le problème va qu'à la longue, il va s'avérer que les racines vont peut-être s'étaler. Ce sera de l'histoire, en tout cas c'est plus mon action directe, de ce fait j'ai le droit de planter l'arbre. On va s'arrêter là pour les commentaires, et on attaque Be'ezrat Hashem tout de suite le Bartenora. Obecharu Shikma, donc le caroubier et le figuier. Sharashehen, Shorshehen, Merubin, leurs racines sont nombreuses, et il faudra écarter l'un de l'autre, que l'un soit au-dessus,
que l'un soit ou que le que l'un soit en dessous. Sha'echad men le mala begova bechipoar vacheni bechipolo. Que l'un qui a un dénivelé entre les deux ou que les deux soient au même niveau. Ben minatsad bekarkashave. D'accord. Que l'un est en haut begova chipoar là où la montagne est en hauteur vacheni bechipolo et l'autre il est dans la vallée. Ouais, la vallée, l'amont et l'aval. Un il est en amont et l'autre il est en aval. Ben minatsad bekarka shave à niveau égal. Venoten damim, alors ça c'était sur l'histoire que si le puits était là le premier et l'autre vient et plante son arbre, la Mishnah nous disait tu l'abattras, mais noten damim, il lui donnera la contre-valeur. De kevan de birchut. La question, ouais, le partenaire vient directement apporter la réponse. Il faut d'abord soulever la question de transition. Comment c'est possible? S'il n'avait pas le droit de planter l'arbre, pourquoi faut-il le dédommager? Il répond le Vartanora, de Kevan de Bioshotenata, étant donné qu'il a planté avec permission, en tout cas, pas en interdiction, pourquoi? Sheno Mazikat Zmangadol, car il ne cause un dommage qu'après très longtemps, que lorsque les racines commenceront à pousser concrètement à arriver chez le voisin. Lochivu, Chachamim, Lakutz, Belodamim, Bijvi, les Ekad et Yachid. Nos maîtres ne lui ont pas imposé d'abattre son arbre sans recevoir la contre-valeur lorsque c'est un particulier qui est endommagé, à la différence du cas de la Mishnah dans le Mishnah Zayin, où c'était un rabbim, c'était un public qui est endommagé. Rabbi aussi, Omer, et Rabbi aussi pense que non, Zeoseh betorchelo, ve'alacha ke Rabbi aussi, et l'alacha est établi comme Rabbi aussi. Je vous souhaite une excellente journée, pleine de Hatzlacha, kol tov, selah.